Bonjour, je me présente, je suis Astrid, professeure de chant du chœur d'enfants de l'Orchestre de Paris. Mais aujourd'hui, je suis ton professeur. Je suis très contente de te retrouver pour notre troisième vidéo où nous allons apprendre ensemble la voix de tête. Si tu n'as pas encore vu les deux précédentes, je t'invite à les regarder pour mieux comprendre ce que l'on va faire aujourd'hui. Ce que l'on appelle la voix de tête, c'est une façon pour toi et pour moi de chanter. Notre voix est bien plus aiguë que la voix d'un homme. Par exemple, ton papa, quand il parle ou quand il chante ici, dans la poitrine. Alors que nous, nous allons chanter de manière plus aiguë que lui et nous allons chanter dans cette partie-là que l'on appelle la voix de tête. Pour travailler la voix de tête, nous avons besoin d'une bonne position de chanteur. On en rappelle les 5 points, les pieds, les genoux, le ventre, les épaules et la tête. N'oublie pas la bonne respiration dans le ventre et toujours par la bouche. Avant que nous puissions travailler la voix tête, je t'invite à faire un petit échauffement vocal avec moi. Est-ce que tu peux faire Oui, parfois ça n'est pas très facile. Je vais t'aider. Prends tes deux index et mets-les à 1 cm à côté de la bouche en appuyant très délicatement. On essaye. Ah oui, c'est beaucoup plus facile et maintenant ça marche. Tu me suis ? Je commence et ensuite c'est à toi. Très bien. Maintenant, nous allons imiter la chouette. Montre-moi comment tu l'as fait. Oh, très très bien. Je t'ai fait ma proposition. Wouhou ! À toi. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Très très bien. Pour faire la chouette, nous avons besoin que l'élève soit bien devant, comme si nous faisions un gros bisou. Encore une fois. Wouhou ! Super ! Bravo ! Je vais t'apprendre aussi un geste pour nous aider avec la voix de tête. Tu imagines, sans lever la tête pour regarder tes mains, que ta voix va s'envoler dans tes mains, comme ça. Ouh, à toi. Ouh, 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 ouh. N'oublie pas les lèvres comme un bisou. Mais quel beau progrès tu as fait aujourd'hui, je suis très fière de toi. N'oublie pas, regarde bien la première vidéo sur les 5 positions du chanteur et ensuite la respiration ainsi que celle-là parce que demain, nous allons tout appliquer pour chanter un chant ensemble. À demain, bonne soirée !